Bon, début du vlog de février. J'avais vraiment pas prévu de vlog aujourd'hui. On est le 1er février. Mais j'ai reçu un colis AliExpress que j'attendais. Donc je voulais l'ouvrir avec vous. J'ai commandé vraiment pas mal de choses, mais la plupart seront livrées en mars. Le délai est hyper long. Il y a quelques trucs quand même qui étaient livrés en 10 jours. Donc je vais vous montrer, c'est ce que je viens de recevoir. Celui-là, j'avais trop hâte. En fait, c'est un... Comment vous montrer? Ça va être chiant, je pourrais pas vous montrer correctement. Alors c'est un petit truc comme ça. C'est comme de la mousse, je pense. C'est assez grand, je sais pas vous montrer comme il faut, mais enfin, plus loin c'est long quoi. Mais en gros c'est un petit truc comme ça qu'on accroche au mur, et en fait là vous avez des trous et c'est pour mettre les boucles d'oreilles. Mais je l'ai acheté principalement pour mettre surtout les boucles d'oreilles que moi j'ai fait, parce qu'en fait elles sont un peu éparpillées partout et j'aimerais bien avoir tous mes modèles au même endroit. Comme ça je vois un petit peu les modèles que j'ai déjà fait, c'est mes modèles quoi, genre parce que tout est au même endroit quoi. Et donc du coup j'ai acheté ça parce que je trouve qu'on peut en mettre pas mal, genre il y a 3, 6, il y a 10 par rangée, et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 rangées. Donc ça fait 150 paires. J'ai pas fait 150 paires. Et du coup, je vais le mettre au mur là. J'ai justement débarrassé pour pouvoir le mettre. Je pense que ça rentre. Donc je suis trop contente. J'avais trop trop hâte. Et le deuxième truc, c'était pour faire un modèle. Le problème, c'est que c'est un modèle avec des chaînes et que j'ai pas reçu les chaînes encore. Mais en gros, j'ai commandé des petites breloques qui sont de différentes couleurs. Mais en fait, c'est une patte de dragon. Et vous avez une petite... petite perle au milieu, enfin c'est censé être une perle mais ça a l'air d'être du plastique plus qu'autre chose. Et en gros bon, il y a par exemple ici noir, vous avez rose, vous avez rouge, bref, et en gros ça serait une paire de boucles d'oreilles où vous avez le fermoir, une chaîne et ça qui pend. Et je pense que le modèle peut être hyper joli. Là je regarde, il y a, je pense, pour faire une paire de chaque au niveau des couleurs. Et le modèle m'avait, enfin quand je l'ai imaginé en tout cas, m'avait l'air sympa. Donc quand je recevrai les chaînes, c'est-à-dire en mars, je pourrais le faire. Et quand je recevrai normalement les chaînes, je reçois aussi d'autres breloques en même temps. Donc je vous montrerai directement dans le vlog quand j'aurai reçu. Bon, j'allais me démaquiller, mais avant de me démaquiller, je voulais vous montrer, j'ai reçu ma commande Makey Beauty. Je voulais pas passer commande en ligne parce que j'avais espoir de pouvoir trouver en fait la colle essence en magasin directement. Ça fait 3 mois que je la cherche, j'ai cherché des remplacements en fait de la colle d'autres marques. W7 en rupture chez Normal, donc je me suis rendue chez Kiko, j'ai acheté la colle, elle est nulle, elle colle rien du tout. Donc j'ai passé commande chez Makey Beauty, j'ai pas pris que de la colle justement parce que 2,50€ la colle, 5€ la livraison, c'est un peu chiant. Donc j'ai pris d'autres produits, je vais vous montrer. Bon déjà j'ai pris deux flacons de la colle essence, c'est la Lash Glue, elle est super bien. Je fais pas de réaction à celle-ci, contrairement à la Ardell qui me pique énormément les yeux, et la Kiko qui fonctionne pas du tout. J'avais testé aussi la Tarte et tout, mais elles sont beaucoup trop chères. La essence elle coûte 2,50€ et elle fonctionne très très bien, c'est une colle blanche qui sèche. Donc voilà, j'ai deux flacons d'avance, normalement ça me fait plus d'un an. J'ai pris un mascara bleu de la marque IN, qui est comme ça. C'est une marque petit budget qui propose pas mal de produits en fait, et c'est vrai que les mascaras bleus c'est très à la mode et ça va être à la mode beaucoup cette année. Je suis assez collée. Et j'ai voulu prendre celui-ci parce qu'il coûtait pas très cher. Donc la voix c'est comme ça. Donc je testerai en vidéo pour voir ce que ça peut donner, ou dans un maquillage que je fumerai la semaine prochaine, pardon. En tout cas voilà, j'avais envie de prendre un mascara bleu parce qu'il était pas cher et je voulais voir ce que ça donnait. Et en dernier, j'ai pris une palette. J'ai pris la Moonglade de chez W7 que j'avais toujours pas pris depuis qu'elle est sortie, malgré le fait que la palette m'intéressait au niveau des teintes. L'harmonie est comme ceci. Je sais que Sandrine l'a testée, je sais plus si elle l'a bien aimée, mais je crois que oui. Elle a fait une semaine aussi de make-up avec cette palette-ci. Mais j'ai hâte de la tester, je la testerai la semaine prochaine avec vous et puis vous aurez une petite vidéo dessus. Enfin, je sais que ça va être là pas mal pour le prix vu que c'est W7 et que j'aime beaucoup la marque. Voilà, donc je vais aller me démaquiller et je vous reprendrai un peu plus tard dans la semaine, dans le mois, je ne sais pas. Bon, petit look du jour que j'ai filmé en vidéo, c'est ce make-up-ci. Normalement vous l'avez déjà vu, je pense. Donc qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? J'ai filmé cette vidéo là, normalement j'en filme une autre cet après-midi parce que j'ai un petit tableau. Franchement, chasser le naturel et revient au galop. J'ai un petit tableau avec les vidéos que j'aimerais filmer en février et sortir en février. J'avais dit que je le faisais plus parce que ça met un peu la pression quand même quand vous avez un certain nombre de vidéos à faire. Mais comme je vous dis, on peut pas s'enlever les trucs qui sont bien ancrés. Et j'aimerais du coup en filmer cet après-midi. Après, si je la filme pas cet après-midi, c'est pas grave. C'est la vidéo rotation du mois de février. Donc. Et là, je vais du coup ranger tout ce que j'ai sorti. Faut que je termine le montage aussi. Et j'ai fait un colis pour Vinted. J'en ai amené un ce matin
à la poste. Donc j'aimerais terminer un montage. J'ai aussi filmé deux vidéos TikTok. Je vais d'abord faire le montage de la vidéo TikTok. Et ensuite, je ferai le montage YouTube. Parce que TikTok, je voudrais la sortir à midi. J'ai l'impression qu'à midi, les gens sont sur TikTok. Donc je la posterai à midi. Donc je vais faire ça maintenant. Ah, faut que je range aussi mes affaires. Genre, je suis en train de voir, j'ai éparpillé tout partout. Et faut que je charge l'appareil photo. Parce que sinon, j'aurai jamais assez de batterie pour cet après-midi. Là, déjà, j'ai sifflé ma batterie en un make-up ce matin. Bon, nous sommes le 13 février. Et je voulais vous montrer, du coup, j'ai reçu une commande AliExpress groupée et une commande Temu. Et je voulais vous montrer en fait ce que j'avais pris parce que c'est principalement des trucs pour les boucles d'oreilles. Donc voilà, je voulais vous montrer avant de les faire parce qu'après je vais essayer de faire quelques modèles pour les rendre disponibles demain. Alors, sur Temu, déjà j'ai pris de la laine. J'ai pris de la laine violette et de la laine blanche. Dans l'idée, j'espérais qu'elle soit plus épaisse que ça. Apparemment, elle est juste épaisse comme ça. Chez Temu, j'ai déjà eu le problème plusieurs fois d'avoir des laines beaucoup trop fines. En fait, ils disent que c'est du 6 mm mais c'est du 2. C'est pas du tout du 6. Donc bon, écoutez, j'ai du violet et j'ai du blanc. Mais c'est pas vraiment ce que je voulais. J'ai commandé aussi, ça c'est AliExpress, un lot d'enveloppes à bulles. Comme ça, bon, la qualité a l'air pas mal. C'est juste la taille qui est pas énorme. Mais ça peut suffire si jamais j'ai juste des boucles d'oreilles à envoyer. La plupart du temps, j'envoie dans des... Enfin, ce genre d'enveloppe-là, les boucles d'oreilles. Et je voulais juste tester de voir ce que ça donnait sur AliExpress. Parce que c'est beaucoup moins cher. Enfin, ça revient beaucoup moins cher que quand vous achetez par exemple chez Action. Là, j'ai payé les 10, 2€ et quelques, je crois. En sachant qu'il y en a plus. D'habitude, je paye 1,25€. Les 5 chez Action. Ensuite, je vais vider juste mon bac pour tout avoir devant moi. Alors, bon, déjà j'ai pris des fossiles sur Temu. Ceux-là, ils sont super jolis. Je vais les tester demain. J'espère qu'ils seront bien parce qu'ils sont pas très très chers. C'est les modèles XM34. Voilà, il y a 5 paires. Donc, hâte de voir ce qu'ils donnent. Comme je vous ai dit, je les testerai demain. Je vous ferai un retour en vidéo sûrement, je pense. J'ai repris mes paillettes de chez Mafic. Je les ai terminées le mois dernier. C'est les paillettes blanches. Je vous en ai déjà parlé. J'ai galéré à les retrouver en plus parce qu'elles étaient plus vendues sur AliExpress. Ça se présente comme ça. Et ce sont des paillettes tout simplement. Par contre, il est pas rempli en entier. Alors il me semble que la dernière fois qu'il est arrivé, il l'était pas non plus. Donc c'est pas au pire pour le prix, j'en rachèterai quand j'aurai terminé. C'est pas très très grave. Et elles sont super jolies. Elles ont un liant déjà à l'intérieur. Donc voilà, c'est moins embêtant que de devoir mettre de la colle à paillettes. J'ai commandé. Alors je savais pas que c'était un lot de deux, mais apparemment c'est un lot de deux petits dragons comme ça. Donc il y aura deux modèles de colliers qui vont arriver avec ces dragons. Il est noir avec des perles dessus. En acier qui ne rouille pas. Donc c'est acier inoxydable ou lithium, je sais plus. Il m'a dit exactement la matière parce que je lui ai posé la question, je me rappelle pas. Mais en gros, c'est des dragons comme ça. Et vous pouvez aussi le mettre en broche. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Mais moi, je vais en faire des colliers. Je pense que niveau broche, je mettrai pas. Mais en tout cas, très sympa. Le modèle est très rentable. En fait, au final, j'avais peur parce que j'ai payé 5€ le dragon. Enfin, les dragons, du coup. Mais je pensais que c'était qu'un seul. Et je trouvais ça très très cher pour une breloque toute seule, en fait, finalement. Et au final, il y en a deux. Donc, c'est plutôt cool. J'ai repris des chaînes. Les miennes, apparemment, rouillent. Apparemment, parce que, bah, du coup, c'était pas du acier inoxydable. J'en ai repris. J'ai demandé. Et apparemment, c'est aussi du truc qui s'inoxe pas. Qui s'oxyde pas. On va y arriver, bref, vous avez compris. Donc là, il y en a 10 et elles font 45 cm. Je crois que c'est la même longueur que ce que j'avais déjà avant. Donc il y a des colliers aussi qui arriveront. Mais il faudra que je termine celle que j'avais déjà achetée. Et j'en avais acheté 10, je crois aussi. Ensuite, j'ai pris des petites perles en forme d'étoile, comme ça, violette et rose, pour tester de faire des bracelets. J'ai pris aussi, du coup, le fil qui va avec. En fil, j'ai pris du 0,6 mm. Et c'est, ils disent... du fil qui est assez solide apparemment et élastique. Donc j'ai pris les petites perles comme ça, comme je vous ai dit, des petites étoiles. Et j'ai pris aussi, du coup, celles-ci qui sont jaunes et roses. Ils sont plutôt sympas. J'avais acheté de la colle chez Cultura justement pour coller les bracelets. Donc j'ai hâte de pouvoir tester celles-ci. Et du coup, j'avais aussi pris ces perles-là qui sont incroyable, super jolie, mais elles sont pas trouées. Voilà, donc je peux pas les utiliser pour faire ce que je voulais faire à la base. Donc présentement, je sais pas ce que je vais en faire, mais je trouverai finalement quelque chose à faire avec, puisque je suis assez manuelle à la base. Donc je trouverai quelque chose pour pouvoir les utiliser. Et c'est vrai que à la base, je l'avais acheté vraiment pour pouvoir en fait faire des bracelets. Aussi, du coup, j'ai repris, je sais pas où c'est, ici, des chaînes pour mes boucles d'oreilles, parce qu'en fait, je vous ai montré, je crois, dans le vlog d'avant, il me semble, des pattes de dragon que j'avais reçues qui sont comme ça, des griffes, et en fait il y a une perle au milieu. Et j'ai déjà fait une paire de boucles d'oreilles pendantes qui sont, enfin moi je les adore, c'est avec les perles blanches. Et j'ai reçu, du coup, plusieurs breloques de plusieurs couleurs, et il me fallait en fait ce genre de truc. C'est très cher, genre vraiment c'est, pour la quantité que vous avez, c'est très cher. Vous en avez 5, et j'ai payé ça, attendez, il y en a 5, j'ai payé ça 3€, je crois. Il me semble, enfin, c'est vraiment le genre d'artifice qui augmente le prix de la boucle. Bref, peu importe, il y en a vraiment pas beaucoup, mais j'aime beaucoup le rendu avec, donc
j'en ai recommandé. Pour les bracelets, toujours, j'ai pris un lot comme ça de petites breloques. Il y en a différentes en fait, mais sur la thématique rose. Vous avez des cœurs, vous avez des nœuds, vous avez des fleurs, il y a une petite queue de sirène aussi. Enfin bref, il y a différents trucs. Donc je verrai comment je l'utilise, mais dans tous les cas, à la base, c'était pour les bracelets. Et franchement, la qualité est pas mal. Niveau breloques, maintenant pour les boucles d'oreilles, je vais vous les montrer. Je vais voir si je peux toutes vous les montrer. Essayez en tout cas. Premier modèle, j'ai un petit modèle comme ça avec un petit cœur et au milieu vous avez donc du coup une perle blanche en forme de cœur. Il est vraiment super joli et ça dans l'idée c'était vraiment pour faire des boucles parce que franchement je pense que ça va être vraiment super beau. Genre j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Elles sont plus lourdes que ce à quoi je m'attendais donc ça prouve bien quand même que c'est assez qualitatif. Donc je pense que ça roule pas ça. Ensuite en Pokémon, dès que je vois une breloque Pokémon, ça file dans mon panier et je fais un modèle avec. J'avais pas vu jusqu'à maintenant, je pense qu'il est assez nouveau, le petit ronflex avec un petit cœur au milieu comme ça. Dans cette annonce là il y en avait plusieurs de différents mais honnêtement les autres je les trouvais pas spécialement hyper jolies. Mais bon écoutez, ronflex c'était mignon. Elles sont quand même assez grosses je trouve. C'est pas très très grave, moi j'aime bien les grosses boucles d'oreilles donc bon. Je me ferai une paire évidemment de chaque si j'ai la possibilité. Si j'ai pas la possibilité je ferai pas, notamment pour celle que je vais vous montrer après. Voilà, si j'ai la possibilité, je vais faire. J'ai un lot de breloques One Piece. Je voulais absolument ces breloques-là. Genre, franchement, j'adore One Piece. Et j'adore One Piece, comme je disais. Et du coup, je voulais trop tester. J'ai commandé deux lots pour avoir suffisamment pour pouvoir faire au moins une paire de chaque. Donc, il y a Chopper, qui est celui qui est le moins beau, je trouve. Luffy, juste ici. Il y a Zoro, comme ça. Sanji. Hop. Il y a Nami. Et il y a Usopp, juste ici. Voilà, donc ça, il y avait de l'eau. Ensuite, j'ai des petits... Je viens de capter que... Attendez. Je sais pas si c'est moi qui me suis trompée ou si c'est lui. Mais il manque le hook sur les breloques. Je sais pas, je pense pas que ce soit moi qui me sois trompée, en vrai. Bon, je regarderai après. Jamais rien ne se passe comme prévu. Donc je me retrouve avec de l'eau. Il y en a un qui a fui. Je regarderai après, mais en gros, j'ai des petites breloques comme ça, capybara. Ils sont... trop mignon. J'aime beaucoup, j'ai pris le modèle le plus petit pour voir ce que ça allait donner parce que j'avais peur de prendre trop gros. Mais finalement le plus petit il est très très bien. Et ensuite j'ai un autre modèle, enfin d'autres modèles capybara, dont ce petit capybara staff McDo. Voilà qui taffe bien. On a celui-ci avec le nœud pape qui est une star. Celui-ci avec la tortue, je vais le garder, je vais le faire pour moi, il est magnifique. Celui-ci qui a une petite orange sur la tête. Et on a celui-ci en poisson. Voilà, donc au niveau de ce que j'ai reçu aujourd'hui, à savoir que il me manque encore des breloques à recevoir, il y a les Super Nana, il y a un truc de Toy Story je crois, et après je me rappelle pas. Mais globalement du coup c'était pour vous montrer les modèles avant de les faire parce que je vais essayer de faire quelques paires là, pouvoir les mettre en ligne demain. Voilà, je vous reprendrai un petit peu plus tard je pense dans une autre journée pour vous montrer, j'ai acheté des livres, je pense que ça se voit. Et du coup moi je vais aller faire mes boucles. Bon, j'ai clairement une quantité astronomique de trucs à vous montrer. Le problème c'est que notamment du coup j'ai reçu ma commande YesStyle mais je peux pas vous la montrer puisque les produits sont dans mes affaires vu qu'on part ce week-end chez mes grands-parents. Ma commande YesStyle je peux pas vous la montrer. Idem pour ma commande AliExpress Temu, je sais pas si je vous les ai montrés. Mais pareil, j'ai tout rangé, il y a beaucoup de trucs qui sont dans mon sac donc malheureusement ce mois-ci je suis désolée, j'ai pas pu vous montrer beaucoup de choses que j'avais reçues parce que j'ai repoussé au lendemain et à force de repousser en fait j'ai tout rangé évidemment, j'avais pas tout gardé. Aujourd'hui je vais vous montrer des livres et un truc que je me suis remise à acheter depuis pas très très longtemps qui est très nostalgique donc je voulais absolument vous montrer. Au niveau des livres je crois que je vous ai rien montré du tout donc je vais vous présenter tout et au pire si jamais je vous ai déjà montré je couperai le passage. Donc il y a des livres de boîte à livres que mes parents m'ont ramené parce que ça y est maintenant ils se mettent à faire les boîtes à livres donc ils ramènent pas mal de trucs. J'en ai à amener qui sont sur le bureau que vous voyez pas derrière. Bref donc j'en ai à amener, il faudra que je le fasse quand je reviendrai la semaine prochaine. Alors déjà ils ont pris de Camilla Läckberg La princesse des glaces. Celui-ci je l'avais pas, j'en ai beaucoup des Camilla Läckberg mais j'en ai pas lu beaucoup déjà et en plus de ça celui-ci je ne l'avais pas donc c'est très très cool. Ils ont pris Labyrinthe de Kate Moss comme ça, ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai vu que c'était Kate Moss. Donc celui-ci ils l'ont pris parce que j'allais dire le synopsis, pas du tout. Le résumé avait l'air sympa. Ensuite, tout ce que je vous montre, c'est depuis le début du mois. Je vous ai pas dit, aujourd'hui on est le 17, mais c'est depuis le début du mois. Ils y sont pas allés en un coup, ils ont pas tout pris. De Tom Clancy, ils ont pris Power Game, comme ça. Power Games ? En tout cas, voilà, ça les a bien tentés. D'autant que, comme je vous ai déjà dit, je crois ma mère lit aussi. Ça, c'est moi qui ai acheté, donc je vous montrerai après. Ensuite, On regrettera plus tard de Agnès Ledig. Je connais l'autrice de nom, mais j'ai jamais lu. Il paraît que c'est très très bien, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Celui-ci, il faut que je le mette dans ma pile à lire du mois de mars, absolument. De Virginie Grimaldi, c'est Il nous restera ça. La couverture elle est trop jolie, c'est du Slice of Life je crois. Il y a La cave aux crapauds et autres contes étranges de Thomas Owen
Ça a l'air d'être un peu comme, enfin, apparemment, de ce que ça transparaît, on dirait que c'est un petit peu comme les contes de la crypte. J'aimerais bien que ce soit ça, moi j'aime bien l'horreur et j'aime bien les petits trucs où il y a plusieurs histoires dedans. De Mohader, il y a Tokyo. Voilà, comme ça c'est sur le monde des Yakuza et de la prostitution, je crois, il me semble que c'était ça. Et de Jones Bo, il y a L'homme chauve-souris. Voilà. Ensuite, moi j'avais acheté le tome 1 et le tome 2 de J'irai te tuer dans tes rêves, qui est comme ça, c'est un petit manga en 4 tomes. J'ai lu le premier tome, enfin j'ai acheté le premier et le deuxième, mais du coup il est dans mes livres que j'ai déjà lus là, donc voilà, il y a celui-ci, tome 2 que je dois terminer de lire. Et aussi en boîte à livres, du coup, quand j'y suis allée la semaine dernière en ville, j'ai trouvé les deux premiers tomes des Enfants de la Baleine. Je crois que c'est Les Enfants de la Baleine le titre exact, qui est vraiment super 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 bien. J'ai adoré, rien à dire. Et je crois qu'en termes de nouveautés que j'ai acheté, c'est tout en termes de livres, il me semble. J'achète de temps en temps, mais alors vraiment c'est pas une collection, c'est genre plus un truc que j'achète pour ouvrir parce que c'est fun à ouvrir. Les petites pochettes surprises Sylvanian Families, donc en fait ce sont des petits animaux. Et donc j'ai acheté il y a pas très longtemps la petite pochette surprise, c'était Forest Babies je crois. Donc là on a le petit koala coccinelle. Et la dernière fois que j'ai été à King Jouet, j'en ai pris un autre. Et là c'était sur les... qu'est-ce que c'était? Je sais plus. Les poissons, je crois. Si, c'était l'univers marin. Voilà, c'est ça. Et j'ai eu le petit husky. Ma sœur a eu, pour les babies forest, elle a eu un chat. C'était le chat mystère qu'il y avait à découvrir. Et pour l'univers marin, elle a eu la petite loutre. Il y a très peu de temps, je me suis replongée dans la nostalgie. Et les gars, je vais vous montrer, parce que c'est toute une histoire. Je suis un Pet Shop Babies, genre moi quand j'étais petite, j'adorais les Pet Shops. Il y a une histoire qui fait que du coup on en a plus, on en avait énormément, on en avait entre 200 et 300 je pense. Et on en a eu très peu qu'on a pu garder, et donc du coup je vais vous montrer ce que j'avais déjà. Je vais vous montrer les nouveaux que j'ai achetés en coffret, en mystère aussi parce qu'il y avait tout un truc, des trucs mystères. Et j'ai acheté aussi un lot de Pet Shop sur Vinted, je vais y arriver. Et du coup je l'ai reçu, il y en a un autre que j'ai pas reçu encore, donc je vais tout séparer et je vais tout pouvoir vous montrer. Ça va vous rappeler des souvenirs parce que moi honnêtement ça m'a débloqué des souvenirs, c'est pour ça que j'ai recommencé à en acheter, parce que vraiment c'est toute mon enfance en fait. Genre je sais qu'il y en a deux là que je peux pas vous montrer qui sont derrière, c'est mon papy qui me les a offerts, c'est le dernier souvenir que j'ai de mon papy, donc c'est vrai que ça débloque beaucoup de souvenirs quoi. Voilà, hop, comme ça c'est trié. Bon, je vais vous montrer déjà ce qu'on a réussi à sauver de notre collection de 200 qui a été amoindrie au max. Déjà on a une petite grenouille comme ça. Au niveau valeur, j'y connais rien, je m'en fous, moi j'achète ce que je trouve joli. Cela, c'est ce, comme je vous dis, qu'on avait gardé de notre collection d'enfants avec ma sœur. On n'a pas choisi ce qu'on allait garder. Pour tout vous dire, on s'est fait voler en fait les pet shops. Ils ont été vendus sur le marché. Donc il y en a très peu qui ont survécu. Il y en a que j'adorais vraiment, que j'ai plus. Très très gros seum. Celui-là, il fait partie de ceux que je préfère. Il est trop joli. Celui-là aussi, je me rappelle, c'est ma mamie qui me l'avait acheté sur une enchère eBay. Elle avait payé ça à la peau du cul. Une petite autruche. Un petit chinchilla. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Un renard. On a un petit canard à paillettes. Bon, ceux à paillettes, ils sont mignons, mais ils sont chiants parce que... Et ça, c'est deux petits lapins. Voilà, donc ça c'était les anciens, ceux qu'on a gardés du coup. Ensuite, je vais vous montrer donc les nouveaux. Donc c'est la nouvelle génération, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus brillants, un peu lustrés, comme s'ils avaient été vernis en fait dessus. Donc déjà, il y a le tigre qui était en coffret avec le dodo. Le dodo, je le garde devant mon ordinateur, je l'aime beaucoup. Ensuite, on a l'axolote qui était en coffret avec le petit chien comme ça. Fort mignon. On a ensuite que des mystères. Donc vous achetez en fait des petites boîtes et vous en avez des mystères dedans. Donc j'ai le lapin bleu, j'ai le petit la petite loutre furée comme ça, j'ai le petit panda, le cheval, le petit fourmilier que j'adore. Et ensuite donc hier j'ai reçu un colis avec, non avant-hier, un colis avec ceux que j'ai acheté de seconde main. Du coup nous avons un peu d'ancien, un peu de nouveau. Le petit koala que j'adore, je voulais trop un koala, le petit kangourou, le pigeon que je trouve formidable, genre il a une petite crotte ici, très drôle, très 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 drôle, ça m'amuse beaucoup. Alors lui il a un peu la tête qui est très vieille, j'ai peur qu'elle s'en aille en fait, elle est pas loin de s'en aller, mais c'est du coup le petit Bambi, le petit Agada. Je sais que des chevaux, j'en avais beaucoup dans ma collection avant parce que j'étais très fan des chevaux, c'était mon animal préféré, et ma plus belle trouvaille que j'aime énormément, le capybara.
qu'il y a eu un capybara pet shop. Il est vraiment génial. C'est mon préféré. Mes trois préférés, là, c'est le dodo, le fourmilier et le capybara. Voilà, vous savez tout. Donc là, on part chez mes grands-parents du coup du 17 au 21. Donc on reviendra le 21 et normalement j'aurai reçu ma commande à ce moment-là. Je vous montrerai les autres que j'ai commandées. Mais vraiment, là, ça fait quelques temps que je ne fais que ça. J'ai trop envie de compléter et d'acheter ceux que j'aime bien. Notamment, j'aime beaucoup les ratons laveurs. Je les trouve vraiment très très cool. En ceux que j'ai pas encore, j'aime bien le flamant rose, j'aime bien la mouette. Enfin, il y en a plein que j'aime bien en fait. Donc voilà, je regarde un petit peu ce qu'il y a à droite à gauche. Les gens les vendent très cher parce qu'il y a comme une hype en ce moment qui est revenue un peu autour de ça. Donc forcément, les prix ont augmenté. Mais je suis très contente parce qu'en fait, ils ont grave diversifié par rapport à ce qu'on nous proposait avant où il y avait beaucoup de chats, de chiens et tout. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous montrer malheureusement. Je vous reparlerai, je pense, quand je reviendrai, si j'y pense, du masque que j'ai acheté sur Estyle de Beauty of the Zone que j'ai testé et que je trouve vraiment génial. Bon, on est le 26, j'ai pas filmé énormément ce mois-ci, je suis quasiment sûre que j'ai pas beaucoup de rush. Mais je voulais vous montrer quand même quelques trucs. Je voulais vous montrer ma commande Estyle parce que je crois que je voulais pas montrer. Et ensuite, j'ai fait un carnage chez Cultura il y a quelques jours. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. La pile fait presque... enfin, elle m'arrive là. Voilà. Bon, il y a ça, hein. C'est pas une pile qui va jusqu'au sol, on est d'accord. Déjà, je voulais vous montrer du coup ma commande chez YesStyle. Alors, j'avais commandé, on va faire dans l'ordre, j'avais commandé déjà pour ce produit-là. C'est un masque aux haricots rouges pour les pores de chez Beauty of the Zone. Et je commandais parce que ce masque, il paraît qu'il est trop bien pour les pores. Je vous jure, c'est une dinguerie, l'odeur, ça sent trop bon. J'ai déjà utilisé à plusieurs reprises, j'en suis dingue. Franchement, pour vous dire, j'ai hâte les jours pour faire ce masque là en fait. Quand, enfin, j'essaie de le faire le mercredi et le dimanche. J'ai super hâte le mercredi et le dimanche pour le faire. Ça sent super méga bon. Est-ce que j'ai un résultat sur mes pores actuellement? Pas du tout. Ça fait je crois 3 fois que je l'utilise. Mais ils sont super méga bons. Et franchement, j'espère qu'il fonctionnera sur les pores parce que j'aime trop ce masque. Ensuite, un autre produit que j'ai commandé, c'est le Centella Green Level Recovery Cream de chez Purito. Alors je l'ai pas ouvert parce qu'en fait en ce moment je suis en train d'utiliser une autre crème. Et c'est une crème qui apparemment est la dupe de la crème pour les ridules de chez Dior. Je sais plus exactement c'est quoi le nom. Celle de Dior fonctionne hyper hyper bien sur moi, mais elle coûte beaucoup trop cher et apparemment en termes d'ingrédients c'est celle qui s'en rapproche le plus. Donc j'ai hâte de tester pour voir ce que ça peut donner, mais franchement j'espère qu'elle fonctionnera aussi bien que la Dior parce qu'elle coûte quand même beaucoup moins cher. Et dans la commande je pouvais mettre un produit gratuit, donc en fait sur YesStyle quand vous êtes influenceur vous pouvez demander un produit gratuit par mois que vous ajoutez à une commande et il vous l'envoie dans la livraison. Et du coup j'ai pris le sérum de chez Cosrx, je vais y arriver, qui s'appelle le The Vitamin C 23, comme ça. C'est un sérum en fait sous format un peu huile comme ça, et ça fait plusieurs jours que je l'utilise et j'ai un avis qui commence un petit peu à se faire sur ce produit là, mais que je vous donnerai en post sur Instagram directement puisque j'ai quand même envie que les gens lisent le post. Je vais me faire un peu chier pour le faire, donc je voudrais quand même que vous le lisiez. Donc si ça vous intéresse, allez voir sur Instagram. On passe au livre. Oh, il y en a vraiment beaucoup. J'ai tout ça. Hop, on va commencer par le premier. Vous savez que je suis une très grande fan de Junji Ito, c'est un mangaka que j'adore, c'est mon mangaka préféré. Vous connaissez toute la chanson avec Junji Ito. Et en fait, il y a deux mangas qui sont sortis récemment. Il y a Les Cauchemars de Mimi et il y a Carnage. Et il m'en fallait absolument un, je les ai tous terminés, donc j'ai pris Carnage, qui est en fait un condensé de différentes histoires de Junji Ito. Je crois qu'il me semble qu'il n'y en a qu'un seul qu'on a déjà eu. C'est un peu triste que Mangetsu fasse ça parce qu'en fait, oh mon dieu, regardez-moi ça. Junji Ito aussi fort. C'est un peu triste que Mangetsu fasse ça parce qu'en fait du coup si vous êtes vraiment fan de Junji Ito, vous vous retrouvez toujours avec des doublons dans les gros trucs comme ça. C'est un peu relou, mais en tout cas il m'en fallait un et j'ai hésité, mais du coup j'ai pris celui-ci. Ensuite en boîte à livres j'ai trouvé Adieu et retrouvailles de Robin Hobb comme ça. Je n'ai pas celui-ci, c'est le tome 13 et j'ai vérifié, je ne l'ai pas, donc au moins ça pourra compléter les autres que j'ai déjà chez moi. Et j'ai également trouvé du coup Les Outrepasseurs, Les Héritiers. Apparemment c'est le premier tome, c'était un livre qui était offert, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être de la fantasy. Et auquel cas c'est hyper cool, c'est un point de vue alterné apparemment. Voilà, donc ça me tentait, je l'ai pris, écoutez. D'autant que j'ai appris la dernière fois que j'ai été déposer en fait des livres en boîte à livres qu'ils jetaient quand il y avait trop de livres. Donc maintenant dès que j'en vois, je réfléchis pas, je les prends hein, parce que si c'est pour qu'ils finissent à la poubelle, non merci. Et ça c'était en boîte à livres la dernière fois, je sais pas si je vous l'ai montré, mais du coup je vais vous les remontrer. J'ai trouvé deux mangas. C'est le premier et le deuxième tome des Enfants de la Baleine que j'ai déjà lu, que j'ai trouvé vraiment hyper bien. Mais voilà, c'était en boîte à livres, donc c'est assez ouf je trouve. Ça c'est de la post-apocalyptique dystopique. Globalement en fait la mer c'est devenu du sable. Voilà, mais c'est vraiment très très bien. Au départ je pensais pas, j'avais peur que ce soit pas ouf, j'ai adoré. Ma soeur m'a offert pour la Saint-Valentin, il faut que je trouve le premier tome également parce qu'il y en a beaucoup que j'ai lu, donc ils sont dans deux pièces séparées chez moi. Du coup elle m'a offert les Copelion comme ça. C'est des mangas qui sont à 3,95 en fait. La maison d'édition a fixé un prix à 3,95 et je trouve ça hyper hyper cool. Ça fait quand même moitié prix d'un manga normal. Donc ma soeur m'a pris les 4 premiers. J'ai déjà lu le premier
premier tome et je trouve ça sympa. C'est pas mon manga préféré, mais en fait disons que c'est un genre que je ne lis pas trop à la base et que par conséquent ça me fait sortir de ma zone de confort, donc c'est plutôt cool. Il y a que 4 tomes pour l'instant, mais franchement je trouve que pour le prix, ça vaut le détour. J'ai acheté le fameux DRCL Dracula. C'est un manga qui a été édité chez Kiun. Et en fait, c'est tout simplement un manga sur Dracula, sur l'histoire de Dracula. Et en fait, ce que je trouve assez impressionnant, c'est les graphismes. Les graphismes sont juste magnifique. J'ai rarement lu un manga aussi joli en fait. Les dessins sont très délicats, enfin je trouve que c'est vraiment très très beau. Et j'ai hâte d'avoir le deuxième parce que celui-là était vraiment génial. Je parlerai dans ma vidéo bilan du mois, mais j'ai adoré. Alors je me suis pris d'abord le tome 1 et le lendemain le tome 2 de Chasse aux cadavres comme ceci. Pareil, j'ai lu les deux déjà. C'est super bien. C'est sur des adolescents qui en fait décident de partir à la... pas la chasse, mais du coup on va utiliser le terme chasse parce que c'est dans le titre, à la chasse aux cadavres du coup d'une de leurs amies qui a disparu. Et donc là il y a les deux premiers tomes. Je sais pas exactement combien il y en a. Enfin je sais qu'actuellement il y en a deux qui sont sortis, mais je ne sais pas combien il y en a dans l'édition de base. Je crois que c'est toujours en cours d'ailleurs, mais franchement c'est une très belle découverte aussi. J'ai lu également et j'ai acheté Ramen à Kane. Donc celui-ci je l'avais déjà vu. C'est un manga sur des chats qui ouvrent un restaurant de ramen. C'est très mignon, c'est mignon et c'est rigolo. Donc voilà, je l'ai pris. De toute façon je voulais le lire donc ça tombait bien. J'étais en magasin, il y était. À la base je voulais acheter Rooster Fighter 6 et je voulais acheter Humanimals tome 2, mais il n'y était pas. Donc je me suis rabattue sur d'autres trucs. Et ça je sais pas si je vous avais présenté, mais j'avais acheté le tome 1 et le tome 2 il y a 2 semaines de J'irai te tuer dans tes rêves. Et j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, mais j'ai eu des retours comme quoi c'était pas très sanglant et je suis un peu triste parce que du coup moi je croyais vraiment que ça allait être très 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 sanglant. Globalement au niveau des achats j'en ai eu pour énormément d'argent, mais écoutez je suis heureuse. Et j'ai acheté aussi pas mal de Pet Shop en loose sur Vinted. Je vous les montrerai je pense dans un autre rush parce que là j'ai un montage à terminer puisque j'aimerais poster en fait 2 vidéos avant la fin du mois vu que c'est des vidéos en rapport avec janvier, donc faut absolument que je les sorte, ou février, mais donc faut que ça sorte en fait en tout cas ce mois-ci. Mais voilà, je vous ai présenté du coup principalement des livres. Je vous ai pas énormément pris comme je vous dis ce mois-ci. J'ai fait beaucoup de lectures et tout, donc j'ai hâte de vous faire le bilan lecture du mois, mais c'est vrai qu'en termes d'autres trucs j'ai pas trop fait grand chose quoi. Bon, j'ai été en boîte aux livres, ça fait très longtemps que j'y étais pas allée. Aujourd'hui je vous ai pas dit, nous sommes le 29, donc je vais clôturer le vlog ici, mais j'ai été en boîte à livres, ça faisait un moment que je devais y aller, j'avais mis de côté des livres à amener et tout. J'en ai amené 10 je crois, donc ça fait pas mal de tri. C'était pas des livres que moi j'avais spécialement lus, c'était surtout mes grands-parents en fait qui avaient lu, qui avaient déjà pris en boîte à livres, et du coup au lieu de ramener dans la boîte à livres de chez eux pour tourner, j'ai ramené dans les 2 boîtes à livres de chez moi. Et j'ai trouvé pas mal de trucs, donc je vais vous montrer quoi. À savoir que il y avait quelques livres aussi que j'ai pas pris parce que notamment c'était des deux, par exemple il y avait Divergente, mais ou Divergence, non je crois que c'est Divergente, donc j'ai pas pris parce que c'était le 2. Alors j'ai pris, je crois j'ai pris 4 chez un et 4 chez l'autre parce que j'ai été dans 2 différentes. Déjà de Isabelle Wolf, il y a Accroche-toi Anna, voilà, ça a l'air d'être un slice of life, je sais pas, la couverture donnait envie, donc bah écoutez. Il y a un Bernard Minier, Nuit, j'ai déjà lu de Bernard Minier La Chasse et j'avais beaucoup aimé, c'était pas non plus un énorme coup de cœur parce que notamment je vous avais dit que la fin je la trouvais trop simple, mais j'avais bien aimé le style d'écriture et bon, je me suis dit on va tester celui-ci pour voir, voilà donc j'ai pris celui-ci. Il y avait un Musso, et vous savez que Musso fait partie de mes auteurs préférés, donc je l'ai pris, c'est La Vie Secrète des Écrivains, en plus je l'avais pas. Des Musso, faudra que je me remette à en lire parce que j'en ai quelques-uns d'avance. Et du coup j'étais très contente de le trouver. En plus il est en très très bon état, donc c'est vraiment cool. Donc ça c'était dans la deuxième boîte à livres. Et le dernier de cette boîte à livres c'est de D.B. Jones, L'Étoile du Nord, comme ça, qui avait l'air vraiment très très bien. Du coup je me suis dit, je connais pas. Il y a un petit truc écrit dedans, il y a un petit mot. Tu m'as laissé un petit mot dedans, il y a rien. J'ai vu un truc écrit je crois, mais je vais pas me retaper tous les chapitres pour savoir où c'est. Mais bref, en tout cas il avait l'air très très cool. Et dans la première boîte à livres du coup, parce que ça c'était la deuxième, j'ai pris celui-ci, Merlin de Stephen R. Lloyd, qui avait l'air cool. Ça a l'air d'être sur Merlin, hein, tout court. Par contre ça c'est le 2, j'ai pas vu parce que c'était pas marqué devant. Je viens de voir derrière le cycle des Pendragons. Je n'avais pas vu. Devant, c'est pas marqué. C'est marqué juste là. Bon, écoutez, on essaiera de trouver le 1. Je pense que peut-être dans la même boîte à livres, je pourrais trouver un jour le 1. À voir. Écoutez, c'est dommage quand c'est pas marqué devant parce que ça fait plusieurs fois que je me fais avoir. Alors, celui-ci, j'étais pas sûre de l'avoir. Je l'ai pris au cas où parce que le nom me dit un truc, mais je suis pas sûre. Donc, c'est Le Gang des Dentiers fait sauter la banque, comme ça. C'est un slice of life aussi, apparemment assez drôle. Donc faut absolument que je vérifie, je vais faire ça après, voir si je ne l'ai pas déjà. J'ai pris Devenir de Michelle Obama parce que je sais pas, il avait l'air sympa. Je me suis dit, en plus pour une fois, il y a des trucs pas trop trop âgés. Il est pas trop vieux celui-ci, je sais pas s'il date pas de maximum 2-3 ans, je crois.
il me semble. 2018. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Je trouve que c'est pas mal. Et comme j'en ai amené aussi, ça me permet de changer un petit peu. Même si je vous ai dit, c'est ceux de mes grands-parents que j'ai amené. Mais voilà, je suis contente de mes trouvailles. Ça faisait un moment que j'y avais pas été. Et avant, j'y allais beaucoup plus souvent. Mais c'était un peu redondant. Et là, comme ça fait un moment, eh ben, je suis contente d'y être allée, voilà. Écoutez, comme je vous ai dit, je vais couper le vlog ici parce que je vais rien avoir de plus à vous montrer. Donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, évidemment, comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.